Bandeko, banambo kanyoso, mote. Aujourd'hui, le lundi, je pense, 26 novembre 2018. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré toutes les tribulations au pays. Vous tous, vous êtes maintenant dans l'euphorie de ce que vous appelez les élections. Trop de sondages. Tous ces sondages sont faux. Ils ne sont pas vrais. Mais arrêtons-nous un peu. Cherchons à raisonner. Ne soyons pas comme des criminels. La plupart des criminels manquent de mémoire. Parce qu'un criminel revient faire la même chose, oubliant qu'il a fait ça. À combien de fois on doit nous tromper, nous? Il n'y a pas longtemps, vous avez accueilli mille et une fois Étienne Tshisekedi. Mille et une fois son soi-disant fils. Martin Fayoulou revient, vous l'accueillez plus qu'un roi. Après l'accord de Genève, il y a eu une prolongation, inattendue d'ailleurs, à Nairobi. Et ce des criminels de Caméré et de Félix Tshisekedi reviennent, vous les accueillez en roi. Finalement, c'est quoi dans nos têtes? Nous, les Congolais. Tout le monde. Tout le monde, moi, croyez que tel, c'est un criminel. C'est quel genre de fanatisme dans un ango où tu l'ingaga, tu fonges là. Maïla n'a pas sauté. Tu es baké, où est-ce que nous nous devons l'éliminer physiquement. Nous sommes un peuple créé seulement pour applaudir, danser et chanter. Même à tête, tu as un espoir et un ango, à faire désespoir et un ango. C'est jusqu'à ce niveau là-bas, tout le monde qui arrive, on l'applaudit. Tout le monde qui arrive, on l'applaudit. La technologie vous explique tout, vous expose tout. Balaki Sibinoki, Emmanuel Shadar Yoyo, Azali criminel, le Azali qui ministre et territorial. Balaki Sibinoki, comment il a organisé le massacre des Kassayens? Bino ba Kassayens, même si Bazo forcé Bino Bo applaudir, Bobosani, on vous massacre et vous devez accueillir ce type chez vous, des ovations de ce genre. Vous me manquez de mémoire? Bino Batouya Kivu ici, Kanganaouta. Mais vous connaissez très bien que Vital Kamerhe n'est pas un Congolais, n'est pas un Kivusien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous dire que Vital Kamerhe, il est le chouchou de chez nous à l'Est? Félix Tshisekedi. Mais on vous dit tout, combien il est corrompu, combien il joue le rôle des occupants. Et Martin Fayoulou, c'est qui? Ce n'est pas parce qu'il a un CV bien fourni, c'est pas ça. Cherchez à savoir il provient d'où, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il est arrivé à être propulsé à ce niveau. Ce n'est pas le vote de Genève, non. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Qui est derrière lui? C'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'il est Congolais. Combien de Congolais ont trahi le Congo? Valentin Moubaké vous a expliqué tout sur l'UDPS. Et vous continuez toujours à soutenir entre le parti. Nous n'avons pas besoin des élections. Nous n'en avons pas besoin. Parce que Félix Tshisekedi égale Fayoulou égale Emmanuel Shadari Ramazani égale Mouzito égale Katumbi égale tout ce monde et ça va, tout cela égale à Kanambe. Et Kanambe égale à Kagame. Kagame, c'est le Rwanda. Donc, il n'y a pas une opposition qui s'oppose à une majorité. C'est la majorité qui joue ce jeu-là.
Nous devons seulement combattre et la majorité et la soi-disant opposition. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'opposition. La majorité, c'est quoi? C'est un club de gens. Au Bazali, Koli, Abango, Moko. Ils sont fiers de s'appeler la majorité présidentielle. C'est comme s'ils appartiennent à un autre pays. Ils ne sont pas des Congolais. Et on comprend que la majorité, Bazali, pas Congolais, c'est ceux qui tiennent le règne du pouvoir. Nous n'avons pas besoin des élections. Réveillons-nous. C'est notre Congo. Merci et bonne journée. Mbote les sous. Le 11 novembre à Genève, Liluba Liboso Oeuti Namonoko et M. Martin Fayulu, vous allez vous remercier Nzambe. Pour la grâce à Nzambe, les bango bakene kuna, le bakutani, pour bazwa solution à problème à Congo. Ayana Kin, na Congo, même chose. Il s'adresse à vous. La première chose, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Il tire sur cette corde-là, religieuse. Parce que Ayebi, que Bino, Bisso, ma Congolais, na makambo Nzambe, Tokata Seleka, Nzambe, na Bisso, Nzambe à Israël. Nzambe à Israël, oyo. Il y a monité que pendant toute une vingtaine d'années, il n'a pas intervenu. Où est-ce qu'il était, le dieu de Martin Fayulu? Naba cardinaux nous sommes comme au côté de la côté à Bina Stade, Bazala Kiwapi. Ce sont les gens des cinq noms qui ont facilité l'abdissement. Après avoir été corrompus par le même pouvoir, par le même régime d'occupation. Et à tout moment, ils viennent vous parler de Nzambe, Nzambe, Nzambe. Ne soyez pas naïfs jusqu'à ce niveau-là, mes très chers frères, mes très chers compatriotes. Ça fâche tout ça. Nzambe, Nzambe. C'est dans la bouche de Fayulu. Mpo Ayebi que vous êtes des naïfs. Monsieur Emmanuel Chadari, quoi qu'il arrive, nous te connaissons. Moi, je suis de Kivu. Tu n'es pas un Congolais. Regarde-moi très bien. Tu es un Tutsi rwandais. Dont le père et la mère ont vécu à Vitumbi, chez nous. Ton père vendait du poisson chez nous. Et quand les Maïmaï Kifakoufa ont commencé à vous pourchasser, vous les Tutsi, ta maman a fui avec toi. Et tu te perdu dans la grande tendue congolaise pour émerger aujourd'hui. Parce que le Congo, c'est votre Eldorado. Tu n'es pas un Congolais. Tu es un Tutsi. Et je demande à tous les Congolais de ne pas être naïfs. Chadari n'est pas Congolais, c'est un Tutsi. Qu'on le veuille ou pas. Nous le connaissons. Et nous allons vous dénoncer, vous tous. Et Bazaïba doit faire très attention. Nous sommes en route pour tout dire. Réveillons-nous. C'est notre Congo.